maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander de fermer vos yeux quand on va commencer à jouer. Vous êtes dans la nature et il y a un animal ou deux qui vont apparaître. Alors, essayez d'imaginer. Après, on verra ce que vous avez entendu. C'est ouvert. Alors on va maintenant présenter un nouvel instrument, voilà justement, qui a fait le chant du tero. Ça s'appelle le charango. Oui. Alors le charango, c'est un peu le petit frère de la guitare. Alors au départ, il ne savait pas très bien comment faire la caisse de résonance. Alors il y avait un petit animal qui était, se baladait tout le temps près des villages et qui s'appelle le tatou. Vous avez déjà entendu parler du tatou? Alors ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec le professeur. Vous irez voir qu'est-ce que c'est comme animal. Après, on le verra un peu plus en détail. Mais voilà, c'est un petit animal avec des sortes de cheveux.